Bonjour, bonjour, ici Mikeshi, on va se retrouver aujourd'hui pour une petite review, celle-là de Dimitri Payet, le 87 TOTS qui est sorti dans la TOTS Ligue 1. Alors il est formidable, je vous montre un petit peu ses stats sur la carte. J'ai fait ses matchs en Coupe Gold et en Coupe Ligue 1, mais la Ligue 1 je l'avais déjà gagné, donc voilà, vu que c'est très très chiant de jouer dans ces coupes-là, j'ai décidé plutôt de la jouer en Coupe Gold. Donc on va passer au stat in game pour vous montrer un peu la formidable stats de ce joueur, vraiment que du vert, hein, milieu de terrain, c'est vraiment un monstre, un des meilleurs MOC, ouais, le meilleur MOC français que j'ai testé. On passe directement au gameplay, un des meilleurs MOC français que j'ai testé, ça c'est sûr. Voilà, regardez l'efficacité avec laquelle il dribble les joueurs, il rattrape le ballon, tous les contres, la vitesse, il va vite parce qu'il a 86 de vitesse et 89, j'ai mis avec une carte chasseur. Voilà, voilà, ses dribbles, pour moi, c'est incroyable. Les feintes, les roulettes, les passements de jambes. Tout ça enveloppé, déjà, les qualités du joueur. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va passer à ce point faible. Ces points faibles, c'est, je pense, l'agressivité. Et puis, la force, un petit peu, mais ça va encore. L'agressivité. Et surtout, bah, sa détente pour faire des têtes. Voilà, tout ce qui est tête, serrée, c'est vraiment nul. Maintenant, bah, moi, pour moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait que ça comme défaut. Les qualités. Voilà, pour moi, ses qualités maintenant. Ses qualités sont les dribbles. Les dribbles, c'est juste un régal de dribbler avec ce joueur. Un des meilleurs dribbleurs que j'ai, quoi. Testé, il est vraiment trop, trop, trop chaud, quoi. Il passe facilement les joueurs. 4 étoiles, j'ai testé une 4 étoiles mauvais pied, c'est énorme. Bon, c'est comme le régulier. J'ai testé le régulier, le 81, le 82. Enfin, j'ai testé tous les informes qui étaient possibles avec ce joueur. Il est monstrueux, je veux dire. En Ligue 1, vous mettez lui, soit Pastore, voilà, puis c'est ça fout l'affaire. J'étais chez Pastore ici avant, donc voilà, j'ai vraiment mis des sacrés scores avec, hein. J'ai fait, je crois, 8 matchs, je crois, une quinzaine de buts et une seule passe décisive. Parce que voilà, si je joue moins sur lui, je peux faire énormément de passes, car il a une qualité de passe qui est quand même assez belle. Mais je voulais me régaler parce qu'il a une très très grosse finition. Il est physique aussi, il est assez physique, une bonne réactivité, un bon équilibre, tout ce qui est coup de pied arrêté. J'ai tout enveloppé là-dessus, hein. Enfin, voilà, c'est énorme. Excusez-moi, c'est vraiment énorme. Regardez là, comment il s'en sort trop simplement, quoi. Voilà, donc coup de pied arrêté, que ce soit coup franc, penalty, corner, voilà, ça va dedans. C'est énorme. Les frappes, frappe de loin, frappe de près, frappe à ras de terre, frappe en force. Voilà quoi, frappe enroulée, parce que ça soit enveloppé et tout, c'est vraiment un régal. Les frappes, y a rien à redire là-dessus, c'est vraiment trop simple. Voilà, donc les passes, la rapidité, la dribble, la finition, 88 de finition, c'est un régal quoi. Placement offensif, on le trouve facilement sur le terrain. Son prix, je l'ai acheté à 100 000 crédits, mais vous pouvez le trouver beaucoup moins cher, je pense, parce que je l'ai acheté en achat immédiat. Même en achat immédiat, je l'ai trouvé à 90 000, mais bon, c'est plus dur de le trouver à ce niveau-là. 100 000, c'est vraiment le prix où on le trouve le plus facilement. Mais si vous avez la patience de faire les enchères, vous pouvez le trouver moins cher. Après, ouais, donc il est énorme, tout simplement. Je l'ai testé en 4-3-3, milieu offensif, et 4-3-1-2. Et voilà, quoi, une seule passe décisive. Mais bon, une quinzaine de buts, j'ai dû marquer 17 ou 18 buts en 8 matchs. Voilà, il est tout à fait... c'est un régal, les gars, regardez-moi. Quand même, cette finition, tout ça, enfin, c'est... Là, il est là, hop, passement de jambe, non, c'est vrai, feinte, hop. Et la finition, voilà, c'est quelque chose qui m'a étonné chez lui, parce que c'est vrai que sur les régulars et l'autre, je trouvais une forme, je trouvais un peu mauvais dans la finition, mais dans la finition, il est quand même... Pour moi, c'est un buteur, à la limite, c'est un buteur, je l'ai pris comme un buteur, je triblais avec lui, j'arrivais... Ah oui, gros point fort aussi avec lui, j'ai obtenu énormément de pénalty, de coups francs. J'ai obtenu des cartes en rouge pour les défenseurs adverses. Obtenu moi 5-6, quoi. C'est le mec en face à deux cartes en rouge et c'est à cause de Payet, ça. Hein. Il est vraiment. Regarde le but là, hop, tranquille. Et voilà, on va bientôt passer au dernier clip de la review. Mais sincèrement, c'est, je pense, le meilleur joueur que j'ai pu tester. Le rage kit qui suit. Il est sensationnel. Il est sensationnel. Moi, je vous le conseille. Ouais, les coups francs, j'en ai pas mis, mais. Voilà quoi, les gardiens sortaient des arrêts où ça finissait sur les montants. Mais j'en ai mis pas mal avec les régulars et les informes. Donc ouais, je pense que ça peut être pareil si je fais plus de matchs. De toute façon, je vais le garder pour vous dire que c'est vraiment un bon joueur. Et même quand il était fou, on croit qu'il est loupé, il est perdu. Et non, il arrive toujours à le remettre. Donc voilà, c'était Mikeshi pour ça.